this means is we're going to be a creative, artistic image that is going to be transmitted all over the world. And now, let's continue with the music and the art. I have the pleasure to present an artist from Tunisia. Il a été participant et créé toutes les beautés culturelles du Forum Social Mondial en 2013 et 2015 qui a eu lieu en Tunisie. Please welcome, with a big applause, our next artist, Mohamed Benslana. Chers camarades, intermondialistes, un peu partout des quatre continents, cinq continents, six continents. J'ai choisi une chanson. Ça tourne autour d'un militant tunisien qui a été malheureusement exécuté par les colonisateurs dans les années 20 en Tunisie, qui s'appelle Darbeji. Pourquoi Darbeji? Darbeji, c'est un militant. À mon sens, c'est un militant altermondialiste prématuré parce qu'il a milité un peu partout en Afrique, en la région de l'Afrique du Nord, un peu en Libye, en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Donc, nous sommes venus ici aujourd'hui pour lui rendre hommage avec ses musiciens aussi altermondialistes. Donc, il s'agit de l'épopée de Darbeji. Thank you.
que cette image voyage. Combien de personnes ont dû quitter leur pays? Combien de personnes ont tout perdu? Leur maison, leur ville, leur famille. Les amis, on est ici, on célèbre, on fait la fête. Mais il ne faut pas oublier que dans ces moments, il y a beaucoup d'âmes qui sont en train de souffrir, qui sont en train de tout perdre. Qu'est-ce qu'on va faire alors? What are we going to do? This has to be a moment when we really think about what can we do all together? How many people right now, they are losing everything that they have? What is happening in Syria? What is happening in Honduras? What is happening in Venezuela? ¿Dónde está nuestro pueblo latino? ¿Está Brasil presente? ¿Está Honduras? ¿Está México? It's time to take action. And because people like you, you should be happy to be here. You should say thank you to myself because I am taking action. I am not just looking the news on internet. I am not just watching TV. I am taking action. I am trying to change the world. Thank you. Thank you to you. Thank you to all these artists. All the time that they have spent painting and preparing all this so we can really celebrate together this moment and make another world. Un autre monde est nécessaire et ensemble, il est possible. En reconnaissance à nos bons musiciens qui ont travaillé fort. Alors, on les voit tous, les bons musiciens, les house band, a big applause for our house band. You have no idea how many songs they have learned in such a short time. So really, really, thank you for all your time. Et maintenant, je vais avoir le plaisir de présenter un projet. Lors de la candidature, quand Montréal s'est proposé pour devenir l'endroit pour le Forum social mondial 2016, il fallait penser à beaucoup de choses. Il fallait envoyer beaucoup de documents. Il fallait croire. Alors, une fille, une femme a cru que dans l'art, on pouvait transformer, faire le message passer à travers la musique, à travers les bonnes paroles. Maintenant, c'est un moment vraiment très important de la soirée parce qu'on va écouter la chanson qui a été écrite lors de cette proposition. Otro mundo. Another world. Un autre monde. Alors, so this is a song that has been composed by a woman who believed, along with all the team that have believed, that we could have this forum here in Montreal. We're going to present Carminda. Yeah. Not only an artist, a mother, a strong woman, but she's also a doctor for the Prince, the Forum Social Mundial. Otro mundo.
Un grand message
plein d'espoir. Et puisque nous avons la chance d'être ici pour ce programme social mondial, construisons des alternatives et proposons des initiatives concrètes pour transformer ce monde et pour vivre dans un monde plus juste, plus solidaire et plus durable pour tout le monde et les enfants qui sont avec nous. Merci beaucoup, au revoir. Chose à partir de rien. Tellement de belles énergies qui se sont mises pour construire cette initiative citoyenne, solidaire. C'est magnifique d'être parmi vous ce soir. Merci infiniment. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont contribué. Les bénévoles qui ont mis leur cœur là-dedans. Merci à vous d'être ici. Bon forum.
une preuve de tous les changements qui sont nécessaires. Parce que, comme on a déjà dit, un autre monde est nécessaire et ensemble, il est possible. Yes! Another world is possible. Another world is possible. Wow, what a nice energy tonight. Ok, maintenant, est-ce qu'on a beaucoup de Québécois? Est-ce qu'on a beaucoup de Montréalais sur place? Alors, vous ne pouvez pas nous laisser tout seul ici. Il faut que vous dansiez, il faut que vous appuyiez, parce que maintenant, on va accueillir un artiste québécois. C'est lui qui a fondé la scène du slam à Montréal, ça fait déjà à peu près 10 ans. Lui, sa trajectoire, ça date plus de 20 ans. Né à Montréal, mais a fait des voyages partout au Québec, avec sa musique, avec son inspiration. Est-ce qu'on est prêt? Yeah. On est prêt pour accueillir Ivy! Hey, bonsoir! Nous sommes ici réunis, n'est-ce pas, je serai pas long, pour aller à contre-courant de cette société, à contre-courant de ce système qui nous dit qu'il n'y a qu'à genoux qu'on peut marcher. Alors, vu que nous ramons à contre-courant, c'est toujours un peu difficile, et ça prend quoi? Ça prend du courage. Alors je vous souhaite du courage. Et je vous souhaite de ne jamais lâcher, parce que quand on lâche, on est sûr que c'est fini. Mais tant qu'on ne lâche pas, on est encore là. Alors ça prend du courage, il faut donner un bon coup, et ensuite, il faut partager, n'est-ce pas? Alors, à chaque fois que je dis courage, donne un bon coup, vous répondez partage. Ok, on essaie? Courage! Vous êtes trop rapide. Je vois que vous êtes des acteurs de changement réactifs. Tant mieux. Mais pas trop vite. Courage. Donne un bon coup. Yes, ma'am. Et cela pour les volontés. Et faire des munitions pour déterminer. Notre mal est nécessaire à toute révolution. Et une forte parole que nous devons donner. Un ange à l'école au-dessus d'un délai. Face à plus d'énergie, plus d'énergie que ton vie. Et faire sa vague, on s'en fait de mal. Avec des communautés, sans faire des idées pour tous les jours. Pour les volontés, voilà. Personne n'est trop, que des lois. Je ne suis plus distant, je
l'antenne de la
musique du reggae, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a des gens, des personnes passionnées pour le reggae? Alors restez sur place parce qu'on vous promet un bloc d'artistes incroyable. On a de la communauté montréalaise, quatre grands artistes qui vont se joindre à la scène. Ils vont nous faire danser, ils vont nous partager le message. Alors je commence pour vous présenter le premier. Face T from Montreal, please welcome Face T and Empress Universe on stage. Bonsoir Maria, comment ça va? Bonsoir. Bon midi. Forum social, ça va pas avec cravate. Mais quand les Malvines, ça va. Ça va bien tout le monde? Ouais, Chris, on va vous donner un bon petit vibe reggae. Je vais faire ça, chat. Est-ce que vous êtes prêts pour danser avec nous? Introducing Empress. My pleasure, how you feeling?
Yeah.
demande de faire un maximum de bruit pour Flo qui s'en vient, qui va vous donner des bonnes vibes. Il est là juste. Merci beaucoup.
here? Est-ce que j'ai des amis du Québec? Est-ce que j'ai des amis du Mexique? Est-ce que j'ai des amis de l'Italie? Est-ce que j'ai des amis de l'Argentine? Est-ce que j'ai des amis de, de l'Amérique latine? Alors, c'est bien connu que les rythmes latinos nous font danser. On ne peut pas rester sans bouger. Alors, on vous invite vraiment à regarder votre voisin ou votre voisine. Soyez pas gênés et vous allez avancer, ok? So you just need to look to your neighbor and don't be shy. It's time to party, it's time to dance. So now, we're gonna begin our next set of musicians and artists with an Argentinian who came a couple of years ago and he's gonna share with us his talent, his music. Please welcome on stage, Thomas Jensen! Yeah!
c'est manifeste. Tu ne sais rien, tu te détestes. Homo sapiens, c'est manifeste. Tu ne sais rien, tu te détestes. Homo sapiens, c'est manifeste. Tu ne sais rien, tu te détestes. Pour la prochaine, j'invite Tchele et Lunatico. C'est une chanson anarchiste. Bonsoir tout le monde. Yes. Enfin une chanson anarchiste. Yes. Ouais. La bandera. Thank you.
Maintenant, Mademoiselle Ruiz et Bia. Aux chansons qui parlent de l'amour inconditionnel, que c'est très difficile à offrir, mais c'est possible. Et donc, Luna.
C'est pas fini là. Hey. Salut tout le monde, ça va bien? C'est une grande émotion d'être là. Je voudrais vous dédier la prochaine chanson. C'est une chanson qui s'appelle Fuera Flor. Cette chanson parle d'un village, un village abandonné, déshérité, un village en détresse, alors qu'il a été si beau. C'est un village dans lequel on se promène et on découvre que les fleurs sont mortes, les animaux sont disparus, les gens ne sont plus là. Et il y a une pancarte qui nous donne la raison de ce mystère. Ici sont morts et enterrés tous les habitants, car ils ont consenti à vivre une vie résignée en renonçant à la poésie et en renonçant à leurs rêves. Oui, mais il en est resté une, résistante, irréductible à jamais. Elle ne se rendra pas. Et ne la cherchez pas, c'est elle qui vous trouve. On ne sait pas si elle s'appelle Caroline, Catherine, Séverine. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a la force de la fleur qui perce l'asphalte. Et c'est pour ça qu'on l'appelle ainsi, la fleur. Fuera flor, fuera flor. Thank you.
Dans à peu près 5 minutes, on va avancer les barrières ici. Sorry, I don't... In 5 minutes, we're gonna bring the mills. Like, c'est pas bien tout le monde! Mesdames et messieurs, je n'avais pas le choix de faire cette chanson qui nous rappelle des valeries. On n'a pas besoin de couler, mais juste marcher. Marcher ensemble, la musique est fait de marcher. Et on va aller au café, on tient sa diamant, et qu'est-ce que la putain? Chanteurs, les plus grands musiciens de la planète, mesdames et messieurs, j'aimerais
qu'on lâche le plus grand cri d'amour à toutes ces belles personnes qui sont sur scène, qui sont là à la scène et même devant la scène, mesdames et messieurs. Maintenant, j'aimerais vous conter deux petites histoires. La première est un hommage aux Mondines, ces femmes qui ont travaillé si dur et si fort dans le nord de l'Italie, dans les rizières. Ces femmes, on les appelait les Mondines. Et les Mondines, malheureusement, étaient battues, maltraitées, mal nourries. Cette chanson est la seule hymne à leur liberté. Et la deuxième histoire est un hommage aux partigiani. La rébellion qui s'est formée contre le fascisme durant la Deuxième Guerre mondiale. Et avant de quitter pour mourir dans les montagnes, ils demandaient une seule chose à leur bien-aimé. D'aller trouver la plus belle fleur du village, la planter là-haut sur la colline, pour qu'à chaque fois qu'on voit cette fleur, on pense aux partigiani qui sont morts pour leur liberté. Et avant de quitter pour mourir, leur bien-aimé leur disait tout simplement « Ciao, bella, bella ciao !» Una mattina appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. In risaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti. Thank you.
Save that and be back in 10 seconds.